Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu avec vous de cette absence sur la chaîne. Donc ça fait quelques mois que je suis absent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour nous. Bon, on n'a pas pris le temps, j'ai pas pris le temps de faire des vidéos, etc. Donc voilà, beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire. Aujourd'hui, donc, je vous emmène avec moi en forêt pour parler en vlog de de la nouveauté sur la chaîne. Alors, pour l'instant, je ne promets plus de faire d'autres vidéos pour l'instant, puisque le temps passe très vite et en ce moment, j'ai pas le temps de m'en occuper. Comme dit, nous avons eu une très belle récolte cette année au jardin. Donc, et on a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. On a fait pas mal de conserves, enfin de bocaux, pour garder le surplus de ce qu'on avait au jardin, au niveau de tout ça. Bon, ça fait un énorme travail, et puis on ne peut pas se dire on fait demain, puisque c'est des récoltes, c'est la nourriture. Je vais pas parler de l'actualité puisque nous sommes tous d'accord pour dire aujourd'hui avec l'inflation et tout ce qui se passe. Et donc il est clair avoir un jardin aujourd'hui pour vous être très bénéfique. Donc on a eu beaucoup de travail au jardin, des semis à la récolte, ça fait beaucoup de travail. Donc je n'ai pas pu faire de vidéo depuis ces derniers mois. J'ai filmé plein de choses, et donc pour la vidéo sur l'économie, j'essaierai de la faire encore cette année, au moins cette année, puisque c'est ça que j'avais prévu la grosse vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, on voit l'actualité, on peut se demander. On peut se dire là sur les 3-4 dernières années, ça va très vite. On a l'impression que on n'a jamais été aussi dans des heures aussi sombres que ça. Donc effectivement, moi je vous dis une chose, c'est faites en sorte d'avoir au moins de quoi faire des réserves, de quoi garder de l'eau, etc. etc. On disait hein, sur les réserves alimentaires, la réserve hydrique, hydrique, énergétique aussi, hein, parce que ça va, ça en fait partie aussi là. On a eu, je pense qu'on a pas mal de choses à dire, on aurait pas mal de choses à dire sur ça. Et donc je pense qu'il est très important aujourd'hui de voir un petit peu la situation et de ne pas se voiler la face. Donc nous, c'est vrai qu'on a fait une grande partie, on a fait une grosse partie, et c'est vrai que je ne vous ai pas dit, on est enfin parti à la campagne. Donc on a enfin de quoi être tranquille, on a un plus grand espace. On a quoi de stocker? Je vous montrerai ça sûrement dans la vidéo autonomie. Je vous montrerai pas tout, hein, je vais garder quand même un petit peu je voudrais garder quand même un petit peu le secret, on va dire. Bon, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de filmer tout. Alors, il est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos sur le jardin, j'ai fait pas mal de vidéos sur les champignons. Sur l'actualité, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, mais comme je disais tout à l'heure, voilà, on sait ce qui se passe, j'ai pas en rajouter, et donc c'est pour ça que j'avais fait de temps en temps les vidéos à l'époque, sur les vidéos un petit peu promenade en forêt, tout ça. C'est que aussi pour pouvoir être un petit peu dans une bulle un peu plus joyeuse et un peu plus gaie, parce que bon, il faut dire ce qui avec ce qui se passe, bah, on perd un petit peu la boule, et puis voilà. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions.